Ils étaient peut-être encore plus. Bonsoir Linda, comment tu vas? Ma personne Linda, on dit quoi? C'est comment non, Yam? Mayam! On dit quoi? La fille de Mafu. Linda Morelli. La fille de Mafou, Flore de Lille. C'est comment alors? Bipé les autres, non? Vous m'avez trop cherché sur Facebook. Vous m'avez cherché jusqu'à... Me voici. Bipé tout le monde. Dites aux gens que Madoka, c'est là. Maman. Bonsoir Madoka, tu nous as beaucoup manqué. Partage alors Sandra chez Fouette, partage. Donc vous êtes là sur Facebook, vous me clashez comme ça alors que vous me y a un mot comme ça. Même ceux qui me clashent tous les jours, maman me cherchait comme si. Me cherchait jusqu'à. Non, Madoka, malgré tout, tu as ta place sur Facebook. Pardon, viens faire les lives. Madoka, tu nous manques. Madoka, tu es où? Madoka, Adama, on peut chercher l'enfant de quelqu'un comme ça là. Hein? C'est pas vous qui m'insultez sur tous les jours que. Hein? Merci, Sandra. C'est pas vous qui m'insultez sur tous les jours que. Oh, une vieille peau comme toi. Hein? Tu fais quoi sur Facebook? Quitte Facebook. Hein? Une vieille mère comme toi. Quitte... Maintenant, je quitte Facebook. Vous me cherchez encore. La sorcellerie vous donne quoi, même? Vous ne m'avez pas demandé de quitter Facebook. C'est vous qui m'avez demandé que quitte Facebook. N'est-ce pas, Linda? Ah! Maman! Vous, Linda, toi-même, tu es championne souvent pour me clasher dans ta page. Je quitte alors maintenant que. Je vous laisse votre Facebook. Faites de votre Facebook ce que vous voulez. Vous me cherchez jusqu'à. Maman, vous me fouillez. Pardon, bipez-moi, pasteur. Tellement il m'a cherché. Et on peut aimer quelqu'un comme ça, pasteur Mimban. On peut chercher quelqu'un comme ça, là. Pardon, partagez. Vous savez qu'elle n'a pas fait les lives depuis, non? Les notifications vont tarder à arriver. C'est comme ça avec Facebook. Pardon, mes gens, partagez. Partagez dans les groupes que vous connaissez. Partagez dans les groupes. Qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook? Je viens aux nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez me dire ce qui s'est passé. Donne-moi, affairez-moi. Il y a eu quoi? Parce qu'on m'a dit que, Madoka, le premier jour que tu vas lancer le live, avant de parler, rassure-toi d'abord bien de ce qui s'est passé. Bijou Kamer, comment tu vas? Rassure-toi d'abord bien de ce qui s'est passé sur Meta avant de venir parler, maman. Parce que je peux parler un genre, on m'encercle encore, maman. C'est que je veux mettre ma tête où? Si je parle un genre, on m'encercle, c'est que je veux mettre ma tête où, mes gens?
Ouais, tout le monde, Madoka, tu nous as manqué. Tu nous as manqué. Partagez alors. Bipez les gens. Je ne vois même pas. Vous ne taguez même pas les gens. Les gens vont savoir comment que je suis là. Les gens vont savoir comment. Vous me cherchez. Maintenant, je viens partager, mais vous ne voulez pas. Attendez, regarde le nombre de partages. Vous me regardez ça comment? Attendez, mes gens. Je regarde. Vous ne partagez pas. Nous te permettons, Yandengo, ça. On m'a dit de grade. Dans la société. Maman, Meta. Meta, c'est maintenant que tu es revenu de la bombe. Allez, c'est ça. On est dans la tête. Parlez cela peut-être pour deux jours. Et rentre-moi au champ. Votre sale socor de Facebook là. Vos socor de Facebook là, pardonnez. Pardonnez. Vous m'avez assez entraîné dans ça. Vous m'avez assez roulé dans la bourse de Facebook. Une vieille femme comme moi, vous avez porté les noms donnés. Et les ma femmes là, les ma le fombo, les ma quoi, les ma pas, les si c'est tonton Anatole, les 15, beza. Pardonnez, les gens, pardonnez. Ayez pitié de moi. Hein? On t'a dit de prendre d'avoir toutes mes infos sur la toile avant de parler. C'est pas fuck up. C'est ça, dites-moi alors. Que mon gars vient me dire, il y a eu quoi? Affairez-moi, pardon. Affairez-moi, il y a eu quoi sur Facebook? Parce qu'elle peut ouvrir ma bouche, je parle là. Bon, je vais d'abord dire merci. Facebook est ça. Bonjour, madame, parce que tu es trop chou. Merci, tata, Kao. Tu as créé un monde. Le chant, c'est quoi quand Facebook chauffe? Maman, pardon. Facebook ne chauffe pas pour moi, pardon. Madoka, au lieu que Andem, elle a clashé tout le monde, même la reine galois. Hein? Comme pour ça, elle est toujours dans les clashs. Maman, je suis fatiguée des clashs. Ne parle pas toi, c'est trop beau. Ah bon, hein? Nous, on veut seulement le couscous. Il y a le couscous, mais il y a le couscous. Mais je ne suis pas encore sorti avec. Vous avez compris. Je suis venu en ville parce qu'à un moment donné, je me suis senti un peu très fatigué. Très fatigué. J'ai voulu revenir souffler même 2 à 3 jours avant de repartir. C'est pas facile, vous savez. Le champ, je ne suis pas habituée. Donc, c'est un projet que j'ai décidé de me lancer dedans avec mon mari. Donc, je suis sorti un peu pour venir souffler. Mais je vais repartir. D'ici peut-être le week-end, je repars. Mais je suis là pour le moment, pour essayer de souffler. J'étais vraiment fatiguée, vraiment fatiguée. Voilà, donne-nous les prix de foufou. Le foufou, non. Je sors ça, le sac de 100 kilos, c'est 55 000. Avant, je vendais le sac de 100 kilos à 45 000. Parce qu'il y avait le soleil, c'était facile de sécher. Maintenant là, pour sécher un sac, ce n'est pas facile. Bonsoir, Madoka Njinko Fise, comment tu vas? Je vais très bien, Chilo. Je vais bien. Juste la fatigue. La fatigue, je suis vraiment fatiguée. Guylaine a fait la chirurgie pour devenir jeune. Sauf qu'elle a plus vieilli. Bref. Ah, vraiment. Si vous parlez de l'affaire de Guylaine, elle veut parler de la Guylaine, elle m'a dit que c'est un clash. Alors que moi, je ne veux pas moi la clasher. Mais il faut savoir, très vite, on va y monter dans le live. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Vous avez compris, mes gens. Il faut savoir dire la vérité aux gens. La vérité, c'est que quoi? Guylaine était très belle avant. Elle était belle. La chirurgie qu'elle est partie faire là, je ne sais pas si c'est le modèle qu'elle a choisi. Mais à mon humble avis, ce n'est pas un clash. Je ne veux plus moi clasher les gens avec qui je n'ai pas de problème. Ok? Parce que vous savez que moi j'ai acheté les gays avec des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Les gens que je n'avais jamais eu de problème avec eux. Je suis venu pour acheter les problèmes qui ne me concernaient pas.
Et je ne veux plus refaire ce genre d'erreur. Je ne veux plus acheter les problèmes qui ne me concernent en rien. Même si mon général prend ses positions, si moi je n'ai pas le pouvoir avec la personne, là, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas parce que je n'achète plus les problèmes des gens. Je n'achète plus les problèmes des gens. Je n'achète plus. Ok? Je me suis créé des ennemis, des problèmes inutiles sur Facebook. Des problèmes qui n'avaient ni tête ni queue. Je me suis attaqué aux gens sur Facebook parce que j'étais dans l'optique. J'avais une soeur Barandé qui était attaquée. Moi, j'étais dans la sincérité. J'étais vrai dans ça. Mais je n'avais pas compris que sur Facebook, c'est un territoire de requins. Je n'avais pas compris que sur Facebook, c'est un territoire de panthères. Que les gens ont besoin de toi quand tu viens faire le sale pour eux. En dehors du sale, là, ils ne te connaissent, ils n'ont plus rien à foutre avec toi. Donc, une fois que j'ai compris ça, que Meta, les gens t'utilisent pour faire le sale. Ok? Alors que moi, regardez-moi. Regardez ma carrure. Regardez la maison dans laquelle je suis. Regardez au moins 7 hectares de terre que j'ai abattu et que j'ai implanté. J'ai fait des champs. C'est un gros investissement, c'est beaucoup d'argent. Venez me rabaisser, associer mon image à du n'importe quoi sur Meta. Parce que j'avais vu qu'une sœur, je me suis dit, Amine, j'ai mis les organes. Alors que en face de moi, j'avais affaire aux gens hypocrites. Que dans leur tête, ils se disaient seulement que non, ils m'utilisent pour clasher pour eux. Alors que moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais qu'il y a une soeur qui était en détresse, qu'elle avait besoin de l'aide, qu'elle avait besoin qu'on la soutienne. Et c'est ce que je suis venue faire. Bon, maintenant que j'ai compris que Facebook, c'est un territoire de requins, de panthères et de vipères, je ne veux plus acheter un problème qui ne me concerne pas. Je ne voudrais plus associer mon image, ok, à tout ce qui ne me concerne pas. Je l'ai fait, c'était une erreur. Bonsoir Andolé, comment tu vas? Je l'ai fait, c'était une erreur. Et je ne veux plus que ce genre d'erreur se répète parce que j'ai suffisamment traîné mon image dans la boue, juste parce que je voulais soutenir une consoeur de mon village. Ok? Donc, à partir de maintenant, Dorcas que je suis, à chacun sa merde. J'ai compris qu'il n'y a pas d'amitié sur Facebook. Tout au contraire, c'est les requins et les panthères. Je n'avais pas compris ça. Moi, j'étais dans le réel. Alors que d'autres me voyaient en virtuel. Donc, maintenant que j'ai compris. Sylvie Mbakop, comment tu vas, maman? On m'a dit que tu m'as cherché jusqu'à. Tu m'as cherché. Ma personne. Je suis là, maman. Je suis là. Il sort du champ, Sylvie. Il sort du champ. Il y avait trop à faire. Trop. Oh, mais je suis fatigué même. Je suis arrivé hier, je devais faire le live hier. La fatigue, je n'ai même pas pu. Je n'ai pas pu. J'ai passé toute la journée hier à dormir, 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 dormir. Tellement j'étais fatigué, mes gens. Bonsoir à toi, chef Rodrigue. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je ne donnerai pas. Je vais toujours faire mes décryptages. Je vais toujours prendre position. OK? Je vais toujours dire ce que je veux dire sur Facebook. Mais
dit que entrer en clash, à moins que la personne m'a attaqué directement. Mais dit que moi encore, je peux acheter les problèmes des gens. Je ne ferai plus. Je suis désolée. Merci, Sylvie, de bipper les gens. Je ne ferai plus. Je ne fais plus ça. Merci, Sylvie. Je ne veux plus. Pardonnez. Et je veux comme ça dire merci à tous ceux qui m'ont cherché quand j'étais absent. C'est là où j'ai compris que, en dépit de tout, sur Facebook, malgré qu'on se clash, je vous ai déjà dit, les abonnés, ne mettez plus les organes dans les affaires de Facebook. Ne mettez plus les organes. On vous sert ce qu'on veut vous servir. On vous sert ce qu'on nous, on veut vous servir. Nous qui faisons les lives. Mais dans la vie réelle, c'est autre chose. Mais vous prenez ça au premier degré. J'ai vu les gens quand Flore de Lis partage mes vidéos. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi? Ma faute, pourquoi? Beaucoup de gens se sont agités. Parce que vous mettez les organes dans les affaires de Facebook. Je vous ai toujours dit cela, que Flore et moi, nous n'avons pas de problème. Je vous ai toujours dit ça. Mais vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous croyez que c'est vous qui allez venir dire à Flore que oh, Dorcas c'est mauvaise? Avec l'expérience que Flore a sur Facebook, elle connaît qui elle doit éviter comme une vipère. Elle connaît. Elle connaît les gens que elle peut s'asseoir comme ça, elle les évite. Elle connaît. Elle connaît les gens que elle a fait les vraies guerres de haine. Et ceux qui sont que dans le game, elle connaît. C'est vous qui mettez les organes dans les affaires de Facebook. Merci à toi, Céline Bako, pour le cœur. C'est vous qui mettez. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas dans la haine. Même mon général connaît, Thérèse Tchamale. Quand elle va amener un dossier, je lui dis que je ne suis pas moi dedans. Parce que la personne ne m'a rien fait. Si elle veut continuer avec ce dossier-là, elle a son blogging, elle fait avec. Mais moi, elle sait que je ne suis pas dedans. Elle connaît. C'est pourquoi elle connaît que ma Dorcas que vous voyez là ne connaît pas faire la haine. Elle me connaît comme ça. Parce qu'elle est proche de moi. Elle est proche de moi. On se parle. Donc elle me connaît bien. Elle sait que je ne suis pas dans la haine. Elle sait que moi je suis que dans le game. Quand je vois que ça part, il y a le truc haine. Elle sait que moi je m'écarte. Je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas moi venu sur Facebook faire la haine sur la vie des gens. Les gens. Marco, Marc La Rose, comment tu vas, ma chérie? Tu es des gens que, à la base, ce n'est que les histoires de Facebook. Pourquoi mettre autant d'énergie? Moi, je ne suis pas dedans. OK? Donc, les gens qui croient que, Flore a partagé des trucs de Dorcas, Flore est montée, Flore. À la base, j'ai quel problème avec Flore? À la base, moi, Dorcas, j'ai quel problème avec Flore? Donc, moi, je veux que, regardez, Thérèse Tchamale, c'est mon général. Ça, c'est vrai. Elle prend ses positions. Parfois, qui ne sont, elle-même, vous avez dit ça en direct, qu'il y a des trucs et faits que Madoka n'est pas d'accord. Vous avez dit ça plusieurs fois dans ses lives. Et elle ne ment pas. Quand elle prend ses positions, je lui dis que, maman, tu es seule dans ton film. Elle passe seule. Ma fille, c'est comment, maman? Bonsoir à toi, maman. Bonsoir. Et c'est ça. OK? Mais est-ce que je vais la régner? Je ne vais pas la régner. Je vais la jeter. Je ne vais pas la jeter. Parce que tout le monde ont des généraux qui font le sale. Mais ils ne jettent pas les généraux. Hein. Parce que voilà Mbopi qui insulte tout le monde sur son passage. Elle est violente dans ses insultes. Qui l'a jeté? Personne ne la jette. Mais est-ce que les gens l'envoient? Est-ce que quelqu'un l'envoie aller faire le sale? Elle fait ça parce qu'elle veut nourrir son blog. Ce n'est pas Flore qui l'envoie faire le sale là. Elle fait ça parce qu'elle veut se faire voir. Elle veut la visibilité sur Meta. Donc elle est obligée de s'attaquer à tout le monde. Ce n'est pas Flore qui l'envoie. Hein? Ce n'est pas Flore qui envoie Mbopi. Même si Flore dit à Mbopi qu'arrête d'insulter, elle va toujours insulter.
Lily de la toile, je dirais, maman. Loua, bonsoir à toi. C'est ça. Ce n'est pas Flore qui l'envoie. Donc, chacun assume ce qu'il fait sur Facebook. Ce n'est pas Flore qui envoie Mbobi. Est-ce qu'elle veut dire que c'est Lolo qui m'a envoyé venir insulter les gens? Non. J'ai pris mes pieds moi-même. Venez en soutien à Lolo. C'est vrai qu'elle me donnait les stratégies de combat. C'est vrai qu'elle me donnait les balles. Toutes les balles que j'ai sur Flore qui me donnait, c'est Lolo qui me donnait. Je devais avoir les balles là-haut. Je connaissais le Flore. Mais ils se connaissent depuis à Paris là-bas. Moi, j'étais aux États-Unis, je connaissais les balles. Je connaissais que Flo avait les nudes sur Facebook. Qui devait m'envoyer, que qui me connaissait pour m'envoyer ça? Mais la personne qui m'envoie, c'est elle. C'est Lolo qui m'envoie tout ça. Toutes les balles. Même les têtes de Lolo, de Flo qui n'a pas de cheveux, tout ça, c'est elle. Tout ce que j'ai sur Flo, c'est elle qui m'a envoyé de faire le sale avec. Bon, est-ce que j'étais un enfant? Non. Je n'étais pas un enfant. J'y venais. Moi, je suis venue parce que je voulais soutenir ma soeur. On voulait lui faire reculer l'adversaire. Ok? Mais qui n'était pas, pour moi, une ennemie. Qui n'était pas une ennemie. Je voulais défendre ma soeur. Est-ce que Flore n'est pas consciente de ça? Elle est consciente de ça. Dans la haine de Facebook, là. Voilà une personne qui dit que tu es une menteuse. C'est elle qui m'envoie. Est-ce que Lolo elle-même peut faire live? Elle demande que ce n'est pas elle qui m'envoie. Elle est nude de Flore. C'est elle. Lolo ne peut pas faire. Elle. Si elle fait un live pour démentir, c'est que c'est une menteuse. C'est elle qui m'envoie ça. Ok? Donc, arrêtez de dire que. Vraiment, pourquoi Flo a partagé les trucs de Dorcas? Pourquoi Flo est monté? Flo est de... Je n'ai pas de problème avec Flo. Je vais vous dire pour votre gouvernement, la première personne même qui m'appelle au téléphone que Dorcier ou c'est Flo. Quand j'ai fait, il y a fait au moins une semaine, la première personne parmi toutes les blogueuses camerounaises qui m'appelle que Dorcier ou depuis on te cherche sur Meta, ou c'est Flo. Et elle n'a pas cessé de me checker, de savoir comment ça va, machin. C'est comme ça que Facebook devait être. On peut se clasher, faire le game, mais tu ne vois pas ta consoeur, tu cherches à savoir pourquoi elle n'est pas là. Ce n'est pas la haine. Pas la haine. On devait être dans le game. Mais maintenant, il y a déjà une haine. C'est là au niveau de la haine. Moi, je ne suis pas haineuse. Ok? Je ne suis pas haineuse. Donc, arrêtez de mettre les organes. Que, Flo, tu dois faire attention. Elle connaît à qui elle doit faire attention. Elle connaît à qui elle peut blaguer n'importe comment. Mais elle ne va jamais baisser la garde. Elle connaît. Et je ne suis pas dans la liste de ceux-là. Ok? Je ne suis pas dans la liste de ceux-là. Hein, bonsoir. Je ne suis pas dans la liste de ceux-là. Elle connaît sa liste, comme ça. On a vu à la télé les questions qu'on lui a posées. Ce n'était pas pour lui donner le lait. Vous croyez qu'elle ne connaît pas tout ça? Elle connaît tout ça. Elle connaît le game qui s'était préparé ce soir. Elle connaît. Elle connaît tout ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on voulait faire ce soir. Vous croyez qu'elle ne connaît pas? Elle connaît. Ok? Elle connaît très bien. Et je ne suis pas dans sa liste de gens qu'elle peut éviter. Elle connaît que je suis dans le game. Je ne sais pas, il va être dans sa liste qu'elle et moi on s'est croisés ou on a discuté quoi ensemble. Elle connaît. Donc arrêtez de toujours vouloir mettre la haine. Je veux dire à ceux-là, mes anciens coéquipiers là, que ça les fait tellement mal de voir que Flore partage mes choses. Que j'ai des problèmes. Je parle avec Flore en inbox, bien même, parle. On a quel problème, maman? Flore peut dire que je lui ai fait quoi de grave? Que... c'est joli. Yeah, c'est joli. Flore peut dire que je vais faire quoi de grave? Rien. C'est moi qui ai fait quoi? Elle ne peut pas.
Et c'est que tu viens acheter les problèmes. Et on s'est fait ça dur. Hein? Elle m'a donné ma femme, là, elle lui a donné la reine Jézabel. C'est des bonnes guerres, non? Donc, il y a. C'est Tu dis que quoi, maman? Les gens qui disaient que oh, c'est une lélé, c'est une ceci. Maman, vous ne voyez pas le vrai léléisme qui est en train de vous, qu'on est en train de vous servir actuellement sur vos visages comme ça là. Vous ne voyez pas. Maman, le léléisme, c'est au sommet maintenant. Vous ne voyez pas. Pardon, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi je ne suis pas dedans. Ok? Je ne suis pas dedans. Vous faites vos choses, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne veux pas la haine. Je ne veux pas la haine. Ok? Donc, c'est ça. Vous croyez que si je vois Perpétue Maléba aujourd'hui, je vais m'asseoir avec, on va prendre un pot. On s'est clashé. J'ai fait quoi, Perpétue? Que Perpétue m'a dit que, oh non, je ne peux pas causer avec Dorcas. Dorcas m'a fait tellement de mal. Que j'ai fait quel mal, maman? Hein? Perpétue connaît que je suis venu acheter des problèmes sur Facebook. Alors, elle connaît que je suis venu acheter des problèmes sur Facebook. Que je les connaissais avant ou maman. Qu'on avait d'abord quel problème. Hey, mon chéri Olivier Tété, comment tu vas, papa? Ouais, le gars de Black Butcher. Yamo de Black Butcher, comment tu vas? Olivier Tété, ça fait longtemps. Hein. Tais-moi en brosse. Donc, je pardonne. Moi, pardonner. Les gens vont, oh, Dorcas, papa, pardonner. Attends, j'avais dit qu'un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes. Non. Maman, pardonnez, je ne veux pas les problèmes. Ok? J'ai les œufs sur ma tête. Pardonnez. Ouais, c'est une backup. Ouais, avec les noms. Facebook, vous connaissez de les noms aux gens. Yeah! Eh, vraiment. Ma team là, vous-même, vous faites fort. Hein? Vous faites fort, hein? La team US, c'est là. Ajoutez un peu d'eau dans votre vin. Ajoutez un peu d'eau. Ouais, Mathé, je ne suis pas en train de voir Mathé. Pourquoi ne. Je la vois pas. Sylvie bip encore Mathé. Maman Sylvie, pardon, il faut dire à ta générale là, d'ajouter un peu d'eau. D'ajouter un peu l'eau dans son vin. Pardonnez. Moi, je ne vois pas ma tête là comment. Je ne la vois pas. Donc, franchement, moi, étant en train de vouloir donner mon avis sur notre soeur Guylaine. Guigui, vraiment, tu dois porter plainte. Je ne sais pas l'hôpital qui t'a opéré là, hein, maman. Ils ont fuck up. Vraiment, je suis désolée. Tu étais très belle. Voilà, Mathé est là. Bonsoir à toi, Mathé. Tu étais très belle. Tu étais très belle. Aujourd'hui, là, maman. Oh, ce n'est même plus toi. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus. Donc, quand tu regardes Guylaine avant, tu regardes la photo de maintenant, là, ce n'est plus la même personne. Elle a changé comme ça. Mais elle avait des jolies lèvres avant, non? Comment elle est partie faire ça? Elle avait de très jolies lèvres avant. Pourquoi elle est partie faire ça, même? Franchement. Moi, parce que quand tu vois ces photos avant, c'est une très belle femme. Très belle. Ah, maman, pardon, hein. Je ne veux pas t'offenser, pardon, Guylaine. Ce n'est pas maman le clash. Moi, je donne seulement mon avis que si tu peux rentrer à l'hôpital, là, qu'on rectifie ça. Parce que là, ça se voit qu'ils ont d'aim. Ils ont d'aim. Ça se voit. Ils ne t'ont pas donné le lait. En vrai, ils ne t'ont pas donné le lait, Guigui. Ils ne t'ont pas donné. Ils ne t'ont même pas raté. L'hôpital là, non, c'est comme si les détracteurs les ont payés pour finir avec toi. Ne te mens pas.
ma soeur. Si tu cherches bien, il y a des détracteurs qui ont payé l'hôpital là pour finir avec toi. Parce que je ne comprends pas comment un médecin peut rater l'opération comme ça là. Mais c'est quoi ça? Tes jolies lèvres que tu avais avant là, elles sont allées. Non, 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 pardon, je ne veux même pas parler parce que ça va être que c'est le clash. Je ne veux pas trop décrypter ça. Je ne veux pas. Pardonnez, arrêtez de me poser des questions bêtes là. Je ne veux pas moi les pauvres. Vous voilà encore. Vous voulez me ramener encore. J'ai dit que je sors des clashs. Vous voulez me. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Maintenant, vous voulez que moi, Dorcas, vienne décrypter le visage de Guylaine. Après, on m'a dit que Dorcas a clashé Guylaine. Elle va aller faire le lave. On me lave correctement. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? J'ai fait quoi pour mériter? Je suis là. Vous ne m'avez pas vu depuis. Vous ne m'envoyez pas les étoiles. Que veux-vous comment au Cameroun? Envoyez-moi les étoiles. Vous me posez des questions, vous me touquez pour que je parle maintenant, je décrypte le visage de Guylaine. Après, ça va devenir mon problème. Guylaine va dire que voilà Dorcas, je ne l'ai pas provoqué, elle m'a clashé. Hein? Alors que j'avais dit à Guylaine que vraiment Guylaine, moi j'étais clashé, tu connais non, c'était parce que j'achetais que, pardon maman, pardon. À l'époque là, tu sais que tu clashais avec celle que tu connais non. Donc, je ne suis plus dans les clashs. Arrêtez de me poser les bêtes questions. Quelqu'un qui me pose encore une bête question, je lui bloque. Le visage de Guylaine vient chercher quoi? La chirurgie de Guylaine vient chercher quoi dans mon live? Hein? La chirurgie de Guylaine vient chercher quoi dans mon live? C'est comme ça que vous faites. Vous m'envoyez au choc. Après, on va aller me donner les billets soufflés là-bas. On va aller me donner les baies soufflés quelque part. Comme j'ai dit qu'on doit donner les baies soufflés à Décom Amour. À Décom qu'on doit donner les baies. J'ai dit qu'il rentre encore dans son ancienne société. Son patron là-bas lui donnait un gros baie soufflé ici là comme ça. Là. Un gros. Parce que c'est un faiblard. Un homme qui va avoir de trop n'a pas de force. Les hommes forts ne parlent pas. Quand tu l'énerves, tu te donnes seulement un baie soufflé. Bon! Mais quand vous voyez un homme parler comme ça, comme Décom, n'est pas faux. Donc le jour qu'il rentre là-bas, le patron blanc là va lui donner un bon bain soufflé qui va rentrer avec. Parce que deux avertissements, c'est suffisant. Deux avertissements, c'est suffisant. Troisième fois, on lui donne seulement le bain soufflé à l'air. Et il rentre avec, il rentre s'asseoir. Il rentre s'asseoir, il masse son bain soufflé au moins pendant un mois. Seigneur, c'est à lui qu'on doit donner le bien soufflé là, c'est à lui qu'on doit donner ça. Et t'as vous m'envoyez dans le choc, pourquoi? Mes gens. C'est comme ça, Martine et Koum. Il vient me poser des questions bêtes. Quand elle veut répondre, la maman, ça va devenir mon problème. Ça va devenir mon problème. Ne posez plus vos questions bêtes là. Posez-moi les questions sur Pasteur Mimba. C'est lui qui veut répondre. Parce qu'il a trop crié mon nom. Le gars là me yamo à un niveau que je ne sais pas. Le gars là même, je n'ai jamais vu le genre d'amour là. C'est ce que les gens m'ont dit. Qu'il fait sa main de déclencher, mais il y a tout. Parce que le genre qui m'a cherché. Je poste même, j'envoie même la vidéo. Ma fou dit que Dorcas fait une vidéo, tu me donnes, je pose parce que les gens te cherchent. Je fais la vidéo, donne à ma fou. Il me voit bien. Malgré tout, il dit que jamais fais un live, Dorcas. Fais un live. Quel est ce genre d'amour? Ça, c'est du harcèlement. Je suis la femme de quelqu'un. Quand tu me vois là, de comme amour. Oh, 4th of July. Non. How come? 4th of. Happy Independence Day of USA. No way. Oh, yes. 4th of July. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance des États-Unis. 4th of July. Le 4 juillet. Bonne fête à tous les Américains. Bonne fête à la team des USA. C'est notre fête aujourd'hui. L'indépendance des USA. Bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Voilà, profitez bien. C'est une journée off. Je sais que vous allez beaucoup vous amuser. Amusez-vous.
mais ne conduisez pas en état d'ivresse. Vous savez que la loi est très forte aux États-Unis. Comment tu vas, voisine? Bonsoir à toi, Drusil Hair. Bonne fête, Maté. Bonne fête à Shiro Tani. Bonne fête à tous la team des USA. Bonne fête à vous. Bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Bonne fête à vous. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête à vous. Voilà. On va faire barbecue. Ok, les barbecues, c'est bon. Bon, moi-même, je suis déjà vraiment en train de penser faire un saut aux États-Unis, hein, parce que je suis déjà fatigué quand même. Peut-être, dès que je sors des champs, là, je risque de faire d'abord un tour aux États-Unis. Mais alors, quand même, non, maman, j'ai pas. Hey, maman, il va réparer. Maman, ce qu'elle voulait faire, il voulait faire la chirurgie du ventre. Mon mari a dit, je ne veux pas entendre. J'aime le ventre là comme ça. Et avec ce qui s'est passé encore, le pasteur, la femme du pasteur Marcelo là, vraiment, j'ai la chair de poule. Ce que je voulais faire, c'était mon ventre. Je voulais aller couper le ventre. Ok? Mon mari a dit, j'aime ça comme ça. Tu as accouché les enfants et c'est les enfants qui tenaient le ventre là. Donc, j'aime moi vraiment la femme de Marcelo là m'a encore trauma, ça m'a vraiment traumatisé. Non, c'est le 4 juillet, la fête de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet. C'est ça. Ouais, mes gens, regardez-moi alors, moi voilà. Je voudrais me sortir pour aller faire mes iPhones. Je voudrais aller sortir pour aller quand même essayer de me faire quoi. Après une longue période au champ, voilà. Tu es belle ainsi, ne fais pas, ne sois pas complexée comme celle-là. Voilà. Merci bien. Merci. Monsieur là, m'avait pas vu depuis, m'avait cherché. J'ai appris que Dekoma Mogoumache maintenant avec la casquette des USA, tellement il fantasme sur la team des USA. Arrête de porter la casquette des USA. Dekom Mimban, arrête de porter la casquette des USA. Je ne veux plus jamais te voir avec la casquette des États-Unis. Dès qu'on m'embarque, le jour que tu viens au Cameroun, là où je vais te voir, je vais te donner un bien soufflé, tu vas savoir que tu as fait un nom. Tu as mon coup de poing, non? Je vais te donner ça. Tu vas savoir que tu as affaire à un homme, pas à une femme. Je vais te donner un bien soufflé, bien appliqué. On va pas te dire. On ne va pas te dire. Continue à prononcer mon nom dans ton live. Continue tes baguettes que tu appelles pieds là. Si tu ne donnes pas une chandelle quelque part ici à Yaoundé, c'est que ce n'est pas moi. Continue. Continue à prononcer mon nom. Continue à te brosser les dents avec mon nom. De comme une maman. Je ne suis pas ta femme et je ne peux pas être ta femme. Tu es trop vilain pour moi. Et de deux, tu as les dents pourries à la bouche. Je vais t'embrasser comment? Avec tes dents pourries là. Tu as les dents pourries et ça, les dents pourries sentent mauvais. Ça sent mauvais. Moi, je déplore les gars qui te mobent là. Hein. Les dents aussi pourries comme ça, on fait quoi avec? Tu as les dents pourries à la bouche. Ou ta bras comme Majo. Majona, ou ta bras comme je ne suis pas ta camarade. Tu as les dents pourries à la bouche. Pourquoi tu prononces mon nom? Il faut que tu peux arranger tes dents là, pas mes dents. Montre ta part comme ça, on voit. Dents pourries. Montre, on va voir. Je préfère, tu dis que j'ai le silicone au menton. Je préfère avoir le silicone au menton que d'avoir les dents pourries. Parce que voilà, moi voilà. Voilà. Tu peux rire, tu peux sourire devant les gens. Est-ce que tu peux faire ça? Quand tu veux rire, tu fais la même comme ça dans toutes tes lives. Quand tu veux rire, tu caches tes dents. Tu commences à tousser comme
comme quelqu'un qui a fumé le mbanga toute sa vie. Toujours en train de tousser un genre de sale tour, comme quelqu'un qui a la cocoluche. Tu ne peux pas aller nettoyer ta poitrine là, c'est trop, il y a trop de concentration, de saleté. C'est toi qui as tous les défauts et c'est toi qui es dans le élan des femmes tous les jours. On cherche même celui qui parle des femmes, on est dépassé. Sale comme le porc, mais tu veux parler des femmes. Mal habillé, tu veux parler des femmes. Quand on te voit, franchement, on ne sait pas que tu vis en Europe. Hein. On ne sait pas que tu vis en Europe. Tu es trop sale pour quelqu'un pour vivre en Europe. Les dents aussi pourries dans ta bouche comme ça. Hein? Je vais monter ta photo là où tes dents sont tout pourries là. Attendez. Je ne vais pas chercher mon téléphone. Il doit monter les dents du gars. C'est trop. Il doit monter ses dents. Un douze comme ça. Un me bim coupe au carré. Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça. Attendez, vous montrez les dents de ce mauve là. Ce trou de cul. Mais. Ok. Mathé, renvoie-moi la photo là sur mon deuxième téléphone. Renvoie-moi la photo là, j'ai ça que dans le téléphone, ce qui fait le là. Renvoie-moi la téléphone de comme dans là, je vais montrer ça. C'est dans pourri là. Il ne fait que parler de moi, dis donc. Tu vois quelqu'un qui peut parler de moi. Moi, quelqu'un comme ça. Ça, comme le boy parle de moi. Ça, c'est quoi ça, mimi? Voilà, ça va, Mathé, j'ai retrouvé. Ça, c'est quoi ça? Voilà quelqu'un qui parle de moi. Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En tant que normal, un sale porc comme ça, là-bas, sortir où? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà un être humain. Voilà un être humain. Regardez un être humain. Vous me regardez, hein? Ça, c'est quel spécimen, ça? Et c'est lui qui connaît les femmes belles et les femmes laides. Viens voir celui qui dit que, Dorka, tu es laide. Maman, vous-même, regardez. Regardez les dents de quelqu'un qui vit en beng. Celui-ci vit en beng. Même les mangeurs de Goro au Cameroun, ce n'est pas comme ça. Regardez celui qui parle même de moi. Hein. Regardez-moi ça. Entre nous, celui-ci là peut parler de moi. Vrai, vrai. Parlons peu, parlons vrai. Regardez-vous-même. Attendez, je vais bien zoomer. Oh merde! Je n'arrive même pas à regarder mes chances. Tellement c'est sale. Regardez-moi ça. Regardez un être humain. Regardez. Regardez un être humain et il se place pour parler de moi. Maman, je n'arrive pas à voir tellement ça me dégoûte. Franchement, je n'arrive pas. Tellement ça me dégoûte. Regardez, j'ai bien mis la lumière pour que vous voyez. Regardez-moi ça. Voilà quelqu'un, voilà les gens qui trompent des cons. Quelqu'un écrit que bel homme. Apprenez à dire la vérité aux gens. Mais Fleur de Lis, comment tu as accepté que le gars s'il te fasse bisous, s'il dépassait? Attendez. Flo, tu as fait comment? Disgusting. J'ai dit, Flo, franchement, ma soeur, parce qu'elle avait été décryptée, mais t'as le bisou, si tu m'as dit que, oh, Dorcas m'a décrypté. Tu as fait comment? Pour embrasser le gars, c'est Flo, maman. Tu as fait comment, Flo? Toi, me regarde la bouche qui t'a embrassé, Flo. Toi-même, il faut voir. Toi-même, Flo, il faut voir. Il faut voir, Flo. Voilà, Emin Katana. Oh, jolie dent. Les voilà. Les menteuses comme ça là. Toi-même, tu peux accepter qu'un homme comme ça là t'embrasse. Regardez, vous-même. Regardez. Regardez. Moi, je n'arrive même pas. Regardez, vous-même.
Flore, tu as fait comment pour que le gars assis mette sa bouche sur ta joue? Je veux comprendre. Tu as fait comment, Flore? Flore, tu as fait comment, non? Moi, je veux comprendre, maman. Tu as fait comment? Pour que le gars assis porte sa sale bouche si comme ça là, pour coller sur le toi. Regardez un être humain. Vous vous imaginez, regardez les narines, maman, comme le tuyau d'échappement. Vous-même, c'est les narines. Quand on met comme ça, vous voyez dire que c'est un être humain. Je ne crois pas que c'est un être humain ici. Vous croyez vraiment que c'est le visage de Deko Mamoukou? Non, c'est les, je ne crois pas. Je ne crois pas que. Regardez les narines comme les tuyaux d'échappement. Et venez voir le feignant ici. En train de connaître les femmes qui sont belles et celles qui sont laides. Regardez. Ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Maman, regardez les narines. Ouais, les supporters de Deko Mamoukou ont tous dans le live. Est-ce qu'on pleure sur Meta? Est-ce qu'on pleure sur Meta? Meta ne pleure pas. Tous les supporters de Deko Mamoukou. Ne fuyez pas mes gens parce que quand ils me clashent là, vous êtes là-bas. Elles sont pleines sur Meta. Belle dame. Voilà aussi l'autre. Blesse Delma. Voilà, les voilà. Des gens qui mentent des cons. Pourri. Sérénité, sérieux. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Voilà les dents. Regardez les narines, maman. Les narines de Deko Mamoukou. On peut faire deux chambres salon dedans. On ajoute même la douche. C'était avant. Il y avait d'abord quoi pour que les dents soient comme ça avant. C'était avant. Ce n'est pas avant. Mais maintenant. Dis-lui que quand Eric ne cache plus, qu'il montre aux gens. Moi, Eric, je ne cache rien. Je ne cache rien, il ne fait pas comme ça. Dis-lui d'arrêter de faire comme ça quand Eric nous présente ses dents. Challenge dents. Deko Mamoukou, tu as dit que j'ai le menton en silicone. Mais voilà mes dents. Voilà mon menton que je présente. Je ne cache pas mon menton. Voilà mes dents. Jolies dents. Deko Mimbang, monte ta part pour voir tes dents pour elle. Ne prononce plus mon nom. Eh, Seigneur. Ne prononce plus mon nom. Non, c'est sûr que ma foi, merde, ma foi, tu as fait comment pour que le gars si, te donne la bise? Non, la stamania, si, ce n'est pas tout qu'il faut accepter, Flo. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qu'il faut accepter, Flo. Il y a les gens que non. Je vois même dans le jour de la télé, là, tu étais fâché jusqu'à tu as dit que mais pourquoi ramener tout ce monde? Le monde, là, tu parlais des gens comme les Deko Mamoukou. Il venait, sa place, il venait faire quoi là-bas? Il a l'habit pour porter. Parce que Tchin avait dit que oh, tu voulais partir en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire avec moi, que tu avais les habits pour porter, maman. Deko Mamoukou, quoi, quel habit alors? Regardez. Regardez les gens qui sont à côté de Lolo. Hein. Regardez. Regardez les gens. Non, Flo, Chandem. Eh! Chandem, ma soeur. Chandem. Tu pouvais pas faire ça quand même. Chandem, en vrai. Hey! Bonsoir. Pendant que moi je suis dans mes champs, tu parles de moi. On va aller au champ. On va aller au champ. Parlez de moi. Vous êtes là pour vous brosser les dents. Voilà aussi l'autre qui parle de moi tout le temps. C'est aussi l'autre. Il parle de moi tout le temps. Le voilà aussi. Il parle de moi dans ses lives. Il me traite de tous les noms. Regardez ça. Les chaussures pèsent plus que tout son corps. Les gens qui parlent de moi. Et voilà. Vous venez parler de moi. Pour ma... Et voilà. Ils viennent parler de moi. Dorcas. Dorcas. Viens les voir brosser les sales dents avec mon nom. Venez les voir. Arrêtez de parler de moi. Hein. Pardonnez seulement. Vous savez que mon autre page d'Okan Djink est bloquée, non? On m'a donné un mois de restriction là-bas.
Donc, je ne peux pas faire les lives sur l'organe d'une queue. Abonnez-vous sur ma non Japan. Donc, mes gens, venez acheter le. Préparez, vous voyez, il y a beaucoup de foufou. Vous donnez à vos familles, ok? Si que chacun porte un sac de foufou. Pour donner à une cousine, à une nièce, à une soeur, à une tante, garantie 6 mois, même 1 an. Elle jongle seulement avec les enfants, elle mange. Le sac de foufou maintenant c'est 55 000. La moitié c'est 27 500. Donc 50 kilos, 27 500. Vous buvez des champagnes là-bas, vous buvez des ceci, retirez 27 500, ne vous coûte rien. Pour acheter même un demi-sac de 50 kilos et offrir à quelqu'un. Le sac, c'est 55 000, 100 kilos. Le sac de 100 kilos, c'est 55 000. OK? Le sac de 100 kilos, c'est 55 000. Si vous n'êtes pas à Yaoundé, on ne met pas Buka. Buka prend 3 000 francs. Le sac, ça part. OK? Donc, ça part dans la ville là où vous trouvez et on récupère là-bas. Ok, donc venez me soutenir, ok, ne laissez pas vos familles mourir de faim à cause des clashs de Facebook. Oh, Mahadoka, ça a clashé ma patronne, Mahadoka clash tout. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je suis une grossiste, je ne suis pas une détaillante, donc je vends en gros. Il y a des gens qui m'ont dit que Dorcas, est-ce que tu livres en France? Maman, je n'ai pas moi le réseau pour livrer en France. Marie Patiente Bissoron, bonsoir à toi. Je ne connais pas comment on livre en France. Vous voulez que je livre en France? Contactez-moi, vous me dites comment ça se passe. Des gens qui ont les magasins en France, qui veulent le couscous là? Je peux vous livrer, j'en ai en quantité. Si vous voulez même que j'écrase avant de vous livrer, je vais écraser. On écrase, non. J'ai le foufou, les gens qui ont les magasins. Maman, je prends pour toi 5 kilos, je vais mettre ça au maman. Tu sais, quand elle voyage. J'ai droit à deux valises de 23 kilos et une valise de 12 kilos. Moi-même d'abord, mais j'ai les enfants là-bas. Donc quand je pars comme ça, il faut que j'achète les bâtons de manioc, je fume le poisson, je moi-même mes kilos de yasson. Je vais mettre tes 5 kilos de main. Ouais, maman. Est-ce que moi je suis encore dans le clash avec Lolo? Lolo est dans son coin, je suis dans mon coin, non. On n'est plus les meilleurs amis du monde. Avant on était les yamseurs, nous ne sommes plus dans le couloir là. Donc elle est dans son coin, elle fait ses choses. Moi-même. La livraison au nord, il y a les agences qui partent au nord, non, maman, n'est-ce pas? Je mets, mais je ne crois pas que la livraison peut être plus de 5 000. Même si la voiture va être chère n'importe comment, je crois que 5 000, ça va arriver là-bas. Il y a les voitures qui partent au nord, non? Il y a les voitures qui partent au nord. Je crois qu'il y a une personne que j'ai livrée une fois. Je ne me rappelle plus la voiture. Je ne me rappelle plus la voiture qu'on avait pris pour partir. Il y a les voitures, il y a les agences qui vont au nord. Donc... mon numéro au Cameroun, c'est le 677, ok, 677-38-06-98, voilà mon numéro au Cameroun. Mon numéro WhatsApp, c'est le +1 346-255-09-18. Le sac du Macabo actuellement, c'est 55 000. J'ai livré le sac de Macabo à 45 000. Maintenant, il y a pénurie de Macabo. Donc, le sac a grimpé. C'est 45 000 maintenant. 55 000 le sac de Macabo. Donc, Macabo a beaucoup grimpé.
Les prix ont flambé. Moi, je veux 50 kilos pour ma famille à Yaoundé. Voilà, tous ceux qui veulent le foufou là, écrivez-moi sur WhatsApp. Plus 1 346 255 0918 WhatsApp. Comme ça, là, je vais écrire la liste de tous ceux qui veulent. Dès que le couscous entre dans Yaoundé, je vous contacte pour le couscous parce que je veux qu'on atteigne même 200 sacs de foufou avant que je porte pour amener. Sandra Rose, comment tu vas ma chérie? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc écrivez-moi sur WhatsApp, tous ceux qui sont en train de dire que je veux le foufou. Il y a le bon foufou, mes gens. Le foufou qui tire. Ça tire comme ça. Parce que je ne fais pas le foufou que c'est la poudre, poudre là. Non, je ne fais pas moi le foufou là. Je fais mon foufou comment? On déterre. On épluche. On découpe en morceaux, morceaux. Les petits, petits morceaux, on découpe, on découpe, on découpe. Je trempe maximum 2 jours. Je trempe 2 jours. Ça ne devient pas mou comme on refait les bobolos. Non. 2 jours, je trempe, je sors. Je mets dans les sacs. On lave encore. Parce qu'on doit bien laver pour que le foufou soit blanc. On lave encore. Ok? On lave avant de tremper. On lave bien propre avant de tremper. Quand on retire, on relave. Maintenant, on met dans le sac, ça il sort maintenant. Quand ça, l'eau a bien coulé sur ça, on sèche. Le problème, le défaut maintenant, c'est qu'il n'y a plus assez de soleil. C'est pourquoi le foufou est monté, c'est cher. Mais avant, je faisais le foufou à 45 000. Le sac de 100 kilos. Puis, je donnais ça, roxy, roxy. Maintenant, pour avoir le soleil, les gens qui ont pris le foufou chez moi, demandaient à la reine galloise. Je dis ça, bien. Ok? Mais le foufou qui est fait, maman, c'est le foufou qui tire. Le bon foufou comme ça, mes gens. Le bon foufou. Donc, le seul défaut maintenant, c'est la pluie. Je pouvais dire, mais Dieu merci, dans le grand bab, il ne pleut pas beaucoup. C'est ça qui me sauve encore. J'ai, à un moment donné, je voulais laisser pour récolter même en novembre. Mais avec les pluies, si elles laissent, les pluies vont encore gâter le manioc au sol. Je suis obligé de retirer tout. Sandra. Ouais, Sandra, tu as tout de ces histoires à dormir debout. Et toi, là, tu as un cas. Donc, c'est ça. Donc, il y en a. Il y en a. Ceux qui ont les boutiques en Europe, ils veulent que je les livre. Contactez-moi. J'ai le foufou. Là où je suis, là, hein, mes gens. Le manioc qui sort là-bas, mes gens, je n'ai jamais vu ça avec les yeux. Quand on tire un pied comme ça, ça peut donner 25 maniocs en bas. Et un manioc, il n'y a pas de moyen moins de 1 kilo. Sauf peut-être les petits-petits qui sont à côté là. Et il y a le manioc, c'est comme si c'est la sorcellerie. Je tire 15 tiges de manioc, ça remplit une pick-up. Je vais vous dire, vous n'allez pas croire. Mais je vous dis, c'est aussi vrai que Dieu est vivant. J'ai le manioc. Mais je vais écouler ça comment? Tous mes efforts. Voilà le vrai problème au Cameroun. Le vrai problème. Tu investis, le moment d'écouler, c'est les problèmes, c'est la souffrance. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a même pas les ONG qui peuvent te dire que bon, voilà, ils viennent même voir le champ et ils t'aident à écouler. Tu dois te battre seul. C'est pourquoi je compte sur vous sur Facebook pour acheter et donner à vos familles pour m'encourager. Mon numéro c'est du Cameroun, c'est le 660-77-38-06-96. Voilà mon numéro du Cameroun. Donc, il y en a. Merci, Sandra. Il y en a. Il y en a.
Mais je préfère sortir ça en foufou. Pourquoi? Parce que le manioc est délicat. Je récolte le manioc le temps d'amener à Yaoundé. Parce que je ne peux pas récolter un seul sac pour amener à Yaoundé. Il faut que je récolte, parce que le transport est cher. Pour que quand je déplace la voiture, j'ai beaucoup de sacs. Et combien de personnes, je vais avoir des clients là, que quand s'ils arrivent même avec 50 sacs, on va acheter là, tous les 50 sacs. Donc, pour limiter les pertes, je suis obligé de sortir ça en foufou. Voilà. Dites à deux, comme il n'a pas le travail, j'ai la main d'œuvre. Je cherche la main d'œuvre. Il peut venir faire tirer le maillot au sol. Je le paye. Il peut venir bien tirer le maillot. Je le paye. Mon WhatsApp, c'est le plus 1. 346 plus 1 346 255 09 18. Voilà mon WhatsApp. Le sac de 50 kilos, c'est 27 500. Et le sac de 100 kilos, c'est 55 000. Donc, venez me soutenir, mes gens. Je vous en prie. Venez me soutenir. Parce que le champ, là, il peut sortir même plus de 1000 sacs là-bas. Ce qui reste au sol. Il peut sortir près de 1000 sacs de foufou. Parce que c'est beaucoup d'hectares. C'est beaucoup. J'ai plus de 1000 sacs. Plus de 1000 même. Branchez-moi même sur... On m'a dit qu'il y a même les sociétés qui achètent la farine de manioc. Branchez-moi même sur les sociétés là, non. Donc, vous croyez que vous travaillez cet état de maillot, ça produit comme ça, produit là, je paye mes gens. C'est que c'est le découragement assuré. Découragement. Donc, vous me découragez un genre qui ne veut rien comprendre. Merci à vous. Vous me découragez. Si vous ne me soutenez pas, je fais comment alors? Si vous ne me soutenez pas. Je veux faire quoi de tous les sacs de foufou, tout mon effort, tout le travail que j'ai investi là? Je veux faire comment? Je n'ai pas eu le déploiement à écouler le macabo, même le maïs. Je n'ai pas eu de problème. Mais c'est que le manioc est en abondance. Le manioc est en abondance. Le manioc a tellement produit que... Attendez, je pingue mon numéro WhatsApp. Le maillot a trop produit, mes gens. Trop. C'est ça. Voilà mes deux numéros, Cameroun et WhatsApp. Voilà. Le manioc en abondance, ça a tellement produit, tellement. Donc passez vos commandes. Jusqu'à quand je rentre là, je connais déjà que j'ai un tel nombre de sacs. Quand je reviens là, je ressors seulement avec vos sacs. Passez vos commandes, mes gens. Je ne fais pas des bâtons de manioc, maman. Est-ce que j'ai les femmes sur les mains pour faire les bâtons de manioc? Ce que je vais ajouter, c'est le couscous en boule là. Il y a une maman qui est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle peut faire le couscous en boule. Parce qu'on m'a dit que les gens aiment aussi beaucoup ça. Donc la maman là m'a dit que elle peut me faire le couscous en boule, qu'elle a un grenier. Donc, toujours une de mes belles mamans au village. Donc, elle m'a dit qu'elle a un grenier qui peut sortir 250 boules. Partout. Donc, je vais voir avec elle. Quand je rentre là, je vais voir comment elle va commencer à sortir le couscous en boule. Voilà. Merci, oh. Il faut m'écrire. Celle qui a dit qu'elle veut trois sacs, écris-moi sur WhatsApp, ma chérie, s'il te plaît. Écris-moi.
Oui, on m'a dit que le couscous est trop bon. Il y a la maman d'une abeille qui m'avait dit que celle que vous dites souvent qu'elle a acheté le terrain à côté de moi, elle m'a dit qu'elle veut le couscous en boule là. Elle m'a dit qu'elle mangeait ça jusqu'à sa maman. Donc, je vais voir comment je vais. Parce que les gens disent que l'autre là aussi est bon. Je vais voir comment là, on va arriver aussi produire ça. Merci, écrivez-moi sur WhatsApp, mes gens. Les deux numéros là, il y a WhatsApp sur ça. Écrivez-moi sur WhatsApp, pardon. Ne me laissez pas. Si vous me laissez, vous faire quoi avec tout le foufou là, maman? Je vais seulement aller faire l'amour avec ou quoi? Vous me laissez sur le non? Voilà. Donc, je vais aussi faire ça. Je vais faire ça. Comme moi, je suis grossi, je vais pas faire, je vais quand même faire des boules bien longues pour attirer les clients. Je vais faire des bonnes boules. Que quand quelqu'un achète seulement deux boules, là, il ne peut pas à la maison manger le couscous, c'est un boule est trop bon. Voilà. Alors, quand Ketcha maintenant. Ah, tu me demandes un Ketcha. Ketcha, c'est mon enfant. Maman, je vais lui dire quelque chose en Ketcha. Mamie, quand tu fais tes lives, ne me prononce plus dans tes lives. Pardon seulement. Parce que j'ai vu un live qu'un Ketcha a fait. Il dit que, oh, la femme qui est au Cameroun, là, hein, la reine galloise, tu m'avais appelé que je dois faire la paix avec la femme qui est au Cameroun, là. Hein, la femme qui, machin, machin, machin. La femme qui monte là au Cameroun, la femme qui descend. Ne me prononce plus dans tes lives. Oh, elle avait dit que j'ai pissé au lit. Elle avait dit que j'ai volé pour Boza. Elle avait dit que. Tu es toujours en train de voir les gens qui ont dit que c'est toi. Tu es toujours en train de voir ce qu'on a fait sur toi, mais tu ne vois pas le sale que tu as fait sur les gens. Tu ne vois pas le sale. Tu ne vois pas mon enfant que tu as publié sur Facebook. Tu as publié mon mari. Tu m'as caricaturé. Tu es venu dire sur Facebook que j'ai tué quelqu'un. Tu es toujours la victime. Ne me prononce plus dans tes lives. Pardon. Fais ta folie là très loin. Ne me prononce plus dans tes lives. Ne me prononce plus dans tes lives. Faites vos choses que vous faites là-bas. Moi, je ne suis pas dans votre couloir. Ne me prononce plus dans tes lives. J'espère que tu as compris. Parce que je ne suis même plus par rapport à toi. Ton histoire avec Flore de Lis, j'ai donné mon avis au début là. Après, ça a voulu prendre ma tête. Je me suis retiré. Je me suis retiré dedans. Parce que je n'achète plus les problèmes qui ne me concernent pas. Et je ne veux plus qu'on me clash sur Facebook quelque chose que je ne connais ni là-dedans ni d'ailleurs. Je suis sorti. Donc, danse ce que tu veux danser là-bas. Mon nom ne prononce plus mon nom. Parce que tu es toujours victime. Tu es toujours victime. C'est toujours les gens qui te font. Toi, tu ne fais jamais. Voilà. Le prix du couscous, 100 kilos. 55 500. 100 kilos. 57 500. Ok. Donc, c'est ça. Ceux qui veulent faire les affaires. Ceux qui veulent faire les affaires. Attendez. Ceux qui veulent faire les affaires, avec moi non, les gens qui ont les boutiques là en Bengla, vous voulez le couscous et que vous avez le réseau. Et que vous avez le réseau que je peux vous envoyer, contactez-moi. Cinquante kilos, c'est 27 500. 25 kilos, tu divises 27 500 en deux. Bah, maman, je ne fais pas l'amidon. Je ne connais même pas comment on fait l'amidon. Je ne connais pas. Je ne connais pas comment on fait l'amidon. Ceux qui veulent, qui font l'amidon, là, si vous voulez, n'est pas vous venez avec la pique comme je charge le manioc. Vous achetez, vous partez. Et le manioc, hein? Je vous dis, j'ai le manioc, le grand frère du manioc. Il faut venir voir pour accepter. J'ai le manioc au champ. Le manioc qui est cher sur le marché, là. J'ai le manioc, je n'ai même pas encore fini un hectare. J'ai le manioc.
Quand tu tires un pied comme ça, tu tombes évanoui. Ça sort comme ça. Parce que une forêt que j'ai abattue, on n'avait jamais travaillé là-bas. On n'avait jamais travaillé. J'ai même cherché les gens qui achètent le manioc qui viennent m'acheter une fois. Eux-mêmes, ils se chargent de récolter ça. Parce que je suis fatigué de récolter le manioc. Je vous dis que je tire 15 tiges de manioc. Ça peut remplir une pick-up, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quoi? Merci Edwige. Le champ se trouve en Djiki. Et il y a le manioc, Georgette, et quoi? Tu veux que tu dises ça comment? Il y a le foufou, il y a. Il y a ça. Les gens qui veulent le manioc là, vous voulez le manioc, venez au champ. Je livre partout à Yaoundé. Vous voulez le manioc, venez au champ, mes gens. Oui, je suis une femme Djikino. Je suis une femme Djikino. Les gens qui connaissent le village et ton lobby. Laura Champagne, comment tu vas? N'est pas tu passes ta comment tu m'écris sur WhatsApp, maman? N'est pas tu déposes, tu m'envoies un par WhatsApp. Mais comme je dis, pour le moment, le manioc sera le foufou parce que je ne suis pas encore sorti avec le foufou. Je veux que ça atteigne une quantité, même 200 sacs. Comme ça, quand la voiture entre, le carburant est cher, que je puisse sortir au moins avec 200 sacs pendant que les autres sont en train de faire. Donc d'ici 2 semaines, et les 200 sacs, je n'ai pas parce que le problème de soleil. Ceux qui veulent les manioc en tubercule en grande quantité, venez en brousse. On s'entend. J'ai le manioc, les tiges. J'ai dit que c'est comme ça là, long et gros. On va tirer un devant vous, vous allez voir. Vous allez mettre la main à la tête, comme ça. Vous allez dire que Doka, c'est quoi ça? C'est tout le manioc comme ça. On va tirer au moins 5 devant vous, vous allez crier. J'ai le manioc, maman. Moi, je ne savais pas que ça devait produire comme ça. Je ne savais pas. Donc, la terre du Mbam est fertile. La terre du Mbam est fertile. J'ai une personne aussi que j'avais amenée là. Il a fait 1 hectare. Il voit seulement la récolte. Il a peur de commencer à récolter. Il a peur. Donc, il cherchait quelqu'un pour acheter. Parce que c'est la terre vierge. Est-ce que je le connais alors, Osmarius? Je ne le connais pas. Philippe Simon. Il est basé où? C'est trop de stress pour moi quand même. Pour une Américaine comme moi. Beaucoup de courage. C'est une belle expérience pour moi. Et puis, je ne suis pas prête à baisser les bras parce que il y a pénurie de nourriture au Cameroun. Vous avez compris, mes gens. Quand tu pars sur le marché, le maillon, c'est que vous dites que j'ai en abondance au champ. Vous partez sur le marché. Vous ne comptez pas. Dans tout un marché, vous ne pouvez pas compter même 20 personnes qui vendent le maillon. Parce que tout le monde trempe, ils sortent ça en Chine, quoi. Ça part, Gabon, Guinée équatoriale. Maman, attends. Oui. Tu as serré. C'est quoi? Laisse-moi en live, non? Je vais couper bientôt. Courage, okay. Maman, j'ai fait le live. Moi, je n'ai pas envoyé les étoiles, même les cœurs, rien. Pas les étoiles, pas les cœurs, maman. Et vous avez fait quoi? Le maillon, si vous voulez le maillon mouillé, vous me dites, vous passez la commande, je viens avec. Ceux qui veulent les sacs de chinguan. Vous voulez les sacs de chinguan? Ceux qui veulent le chinguan, le maillot mouillé pour faire le watafoufou, écrivez-moi, j'ai fait ça sur commande. Vous me dites le nombre de sacs que vous voulez, vous m'envoyez l'argent. Et la prochaine fois, même la semaine prochaine, je vous livre. Tous ceux qui veulent le maillot trempé,
Sabrina Mbola, merci. Tous ceux qui veulent le manioc trempé, écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp, je crois, les sacs de 25 kilos, là, c'est dans les 28 000. Sacs de 25 kilos, manioc trempé. Écrivez-moi sur WhatsApp. Et je vous livre. Mais qui veut le maillot trempé? J'ai fait le maillot trempé sur commande. Vous me dites aujourd'hui que Madoka, je veux le maillot trempé. Si j'ai même 20 sacs, là, je vous dis que bon, donnez-moi d'ici 4 jours, 5 jours, je vous livre le maillot trempé. Tous ceux qui veulent maillot trempé, écrivez-moi sur WhatsApp. Parce que quand je rentre en bourse, si je rentre avec vos commandes, que vous avez commandé, je vous donne maximum 5 jours, je reviens avec vos sacs de maillot trempé et je vous livre. Je veux faire le maillot trempé, mais je veux faire ça que sur commande. Donc, tous ceux qui veulent le Watafoufou là, que vous voulez les sacs de Watafoufou, et ça se garde très bien, il met au congélateur. Ça peut faire un an. Ou tu cherches un seau, tu mets dedans, tu remplis l'eau jusqu'à haut. Chaque matin, tu changes seulement l'eau. Ça peut faire même 6 mois. Tu prends seulement, tu marches. Ceux qui aiment le Watafoufou, voilà. C'est ça. Donc, ceux qui veulent le chinois, contactez-moi, les gens. Contactez-moi ceux qui veulent le chinois. Douala Yaoundé. Ceux qui sont loin, on n'envoie pas les agences qui arrivent là où vous partez. Ok? Ça. Bon. Merci. J'ai ma cousine qui est avec moi là à la maison. J'ai ma cousine qui est là. Donc, je vais aller un peu balader avec elle. Je vais faire le bobo. Qui va faire le bobo? Est-ce qu'elle connaît faire le bobo? Si j'avais les mamans qui savaient faire le bobo, oui, je devais faire le bobo. Si j'avais les mamans qui savent faire le bobo, je devais faire le bobo. Mais je n'ai pas les mamans là sous la main qui peuvent faire le bobo. Donc, c'est ça. Ok, bijou Kamer, il n'y a pas de problème. Dès que je reviens avec le foufou là, je vais faire le live. Je vais vous dire que voilà, le foufou est disponible pour livrer partout. Le bon foufou, vous avez vu les images chez ma femme. Bon, blanc. Le foufou qui tire. Ok, foufou qui tire parce que quand je trempe maximum 2 jours. Quand ça l'eau finit de sortir, allez. Bonsoir, docteur, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp. Ah bon? Attends, je regarde. Je regarde Tata Nathalie. WhatsApp, message de WhatsApp. Tu m'as envoyé sur le numéro du Cameroun. J'ai un frère qui a 1 hectare qui cherche quelqu'un qui va acheter pour récolter lui-même. Il a 1 hectare, il cherche quelqu'un qui va acheter pour récolter lui-même. Donc, si vous voulez. Ah, ok. Tu veux le macabo pour le moment, hein? Est-ce que je suis disponible pour livrer le macabo? Ma tête est que sur le manioc. Donc, si tu veux le macabo, attends même d'ici deux semaines quand je ressors. Avec le foufou, comme ça là, quand je livre le foufou, peut-être je livre le macabo. Là maintenant, là, ma tête est que sur le haut. Là, je peux te livrer. Voilà mon numéro qui est épinglé là-bas. Mon numéro est épinglé, ça peut être Napoléon. Mon numéro est épinglé. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Je vous aime, prenez soin de vous. On est ensemble. J'ai des étrangers qui sont entrés à la maison là. Les étrangers qui sont le sac de 100 kg de foufou, c'est 57.